Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour un nouveau journal. Au sommaire de ce lundi 12 août 2024. Sortie touristique pour les uns, refuge pour les autres, le parc de Merlet attire toujours autant de curieux et d'amoureux de la nature sur la commune des Ouches. Reportage complet dans un instant. Puis nous nous pencherons sur l'histoire de nos territoires. Des cités fluviales aux cités lacustres, nombre de nos villes et villages se sont bâtis autour de l'eau. Une immersion à découvrir dans quelques minutes. Le silence, ou plutôt la quiétude de l'air montagnard. Ici, on se croit seul, ou presque, car si l'on est attentif et discret, il est possible d'apercevoir des locataires. Chaque été, le parc du Merlet laisse le public découvrir ses 21 hectares et les 80 individus qui le peuplent. Une joie pour les amoureux de la nature. C'est un parc magnifique. Les paysages, en plus la montagne en face et tout, c'est superbe. On est émerveillé par tous ces beaux paysages. C'est un très très joli parc, plutôt très bien agencé, facile d'accès et puis idéal pour les familles et puis avec les enfants. Je pense que c'est génial de pouvoir s'approcher et découvrir la faune et la flore locale. C'est hyper agréable, on a l'impression d'être seul dans le parc. Là, on voit autour de nous, il n'y a vraiment pas grand monde, donc c'est vraiment chouette de visiter la montagne comme ça, de découvrir les animaux. Ce confort de visite s'explique aussi parce que depuis plusieurs années, le parc tente de maîtriser l'afflux de visiteurs avec un système de quotas. 800 personnes maximum peuvent désormais venir sur la journée, au lieu de 1500. C'est génial parce que ça étale à la fois sur la journée, parce que le matin, on voit quand même assez bien les animaux. Après, au milieu de journée, c'est l'heure chaude, on les voit moins bien. Et c'est là qu'il y avait le plus de monde. Et donc, ça permet d'avoir des gens jusqu'à la fin de journée. Et sur la fin de journée, franchement, on se régale. Hein, même s'il y a eu plein de monde avant, on voit super bien les animaux, ça bouge, il fait plus frais. Ça étale aussi dans la semaine. Et il y a une vraie satisfaction de la clientèle parce que y a moins d'attentes, il y a moins de bruit, c'est moins le bazar, on trouve de la place un peu sur les parkings. Outre la surfréquentation, le parc du Merlet doit aussi faire face aux conséquences du dérèglement climatique, comme la sécheresse qui entraîne la disparition des herbes essentielles à l'alimentation des animaux. Il y a d'autres espèces qui prolifèrent, comme le nared, comme le serpolet, c'est le thym des montagnes, là, parce que en fait, ils supportent bien un sol assez pauvre, ils supportent la sécheresse, ils supportent la chaleur, mais ces herbes-là, les animaux, en fait, ne les aiment pas. Donc on va travailler le sol en surface, il faut qu'on se rapproche de techniciens quand même pour avoir une vraie étude technique et puis savoir les meilleurs moyens agronomiques pour retrouver une prairie plus nutritive, plus appétante pour les animaux, mais qui soit quand même adaptée en fait aux nouvelles conditions climatiques. Cette année, un accent a aussi été mis sur l'eau avec la mise en place de mares et l'agrandissement du réservoir pour prévenir le tarissement de la source. Des essences locales d'arbres devraient également être replantées dans le parc pour pallier le manque d'épicéas et apporter de l'ombre aux animaux. Le Rhône, ce fleuve long de 812 km, dont 500 dans l'Hexagone, a joué un rôle majeur dans l'histoire du village de Seyssel. Là, nous sommes à Seyssel, Haute-Savoie, rive gauche. Seyssel 1. Et rive droite. Et Seyssel a été une ville importante parce que ça a été une ville batelière, donc importante du fait de la batellerie en bois qui pendant des siècles a rythmé la vie sur ce fleuve et a fait de Seyssel une ville économiquement florissante et prospère. Dès l'Antiquité, Seyssel s'est illustrée comme ville-état pour le commerce entre Genève et la Méditerranée avant que l'activité batelière ne prenne son essor au Moyen-Âge. Une époque florissante pour les mariniers, mais pas moins dangereuse, comme en témoigne la statue de Notre-Dame du Bon Départ. C'est une statue derrière laquelle vous pouvez voir une peinture et qui représente en fait la grotte dans laquelle elle a siégé pendant des siècles, en aval de Seyssel. Et quand les mariniers, quand ils quittaient Seyssel, passaient devant elle, ils lui demandaient protection, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de revenir. Pendant des siècles, le fleuve a servi aux échanges et à la prospérité de Seyssel. Pourtant, il deviendra plus tard une frontière entre deux États. En 1760, c'est une date importante dans l'histoire de Seyssel, puisque elle marque la séparation
de la ville entre le Royaume de France et les États de Savoie. Et c'est en 1760 que l'on va parler de Seyssel-France, rive droite, et Seyssel-Savoie, rive gauche. Si le Rhône a pu se montrer préjudiciable pour les mariniers qui le naviguaient, il l'était également pour les Seysselans. Plus d'une fois, le fleuve est sorti de son lit pour venir s'engouffrer dans les habitations. On a les plus anciens repères de crues, 1616. Voilà, le fleuve arrivait là, 1910. Donc c'était des années où il y avait beaucoup d'eau dans les rues de Seyssel. Avec le temps, le fleuve a connu des aménagements pour réguler son débit. Trois barrages en aval de Seyssel ont notamment été construits. Des dispositifs nécessaires pour calmer les ardeurs du Rhône, un fleuve si cher à ces villages singuliers. Ancien village de pêcheurs, Ivoire est aujourd'hui un lieu incontournable du territoire. Réputé pour ses ruelles fleuries, ses remparts et portes fortifiées, ce village avait à l'époque un caractère militaire de par sa localisation. Situé entre le Grand Lac et le Petit Lac, il est à l'endroit le plus étroit du Léman. On se trouve devant les fortifications et l'entrée du village d'Ivoire qui a été construit dès 1306 par Amédée V de Savoie. En fait, le choix d'Ivoire vient du fait qu'on se trouve à l'endroit où le lac est le plus étroit et qu'à cette période, autour du XIIe, XIIIe et XIVe siècle, c'est vraiment la période où les seigneurs de Savoie sont en train d'étendre toute leur hégémonie autour du Léman. Et donc le but, c'est d'avoir des positions militaires qui sont là pour surveiller le Léman, qui est un véritable lieu de circulation à la période médiévale. Autre monument phare de ce village médiéval, l'église Saint-Pancras, dont l'origine remonterait au XIIe siècle. Elle a, au fil du temps, changé d'apparence pour revêtir l'aspect actuel et se fait notamment remarquer grâce à son clocher à bulbe. Un édifice qui est situé sur la place du village, qui se nomme Place du Tali, signifiant « tilleul » en vieux français. Les places du village ont toujours été des lieux de rencontres, des lieux de discussion, des lieux sur lesquels on trouvait foires et marchés, hein, donc où socialement il y avait vraiment quelque chose qui se passait et c'était souvent lié à la proximité de l'église. Le XVIe siècle a été un tournant pour ce village qui a connu le plus gros assaut de son histoire. Le château a été incendié et ses remparts ont été presque entièrement détruits, perdant ainsi sa puissance militaire. Ivoire s'est donc fait oublier à partir du XVIIe siècle, ce qui a permis sa préservation. Après-guerre, petit à petit, les gens du village ont commencé à exploiter en fait, les bâtiments qui appartenaient à leur famille, soit pour en faire des cafés, on vendait le produit de la pêche. Et c'est comme ça que petit à petit, les habitants sont tombés dans le tourisme. Accueillant chaque année plus d'un million de visiteurs, ce village médiéval vieux de près de 700 ans est inscrit au site et monument historique de France. Voilà ce qui conclut ce journal de la rédaction. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour le point météo. Et en ce qui concerne le retour des news sur notre antenne, il vous faudra patienter jusqu'à demain, mardi, pour un nouveau journal tout en images. D'ici là, je vous souhaite une agréable fin de journée avec nos programmes. À bientôt.